Jal, te voilà. Non, la circulation et les communications en provenance de la forge ont cessé. Elle est aux mains d'Axul à présent. Vous pouvez nous dire comment entrer? Ma navette peut vous déposer tout près, mais je ne peux guère faire mieux. Ephra veut éviter que les Roekar deviennent nos ennemis, à moins que ce soit absolument nécessaire. On fera profil bas. Afkadik, vous voulez aller à la forge? Plus ce sera discret, mieux ce sera. Je promets pas de miracle, mais je ferai au mieux. On y va? C'est parti. Jal, vous êtes sûr que vous voulez que je vienne? Une étrangère... donnera une nouvelle perspective au Roekar. Contentez-vous de me suivre. On va sauver ma famille. Avancez prudemment. Il ne faut pas que les Roekar nous repèrent. On ferait mieux de leur dire qu'on débarque à ces enfoirés. Ce serait plus simple si on savait où trouver votre famille. La Moshae amène tous ses élèves à la forge. Je connais les lieux. Le Gova... c'est... désert. D'habitude, le Govatahan est rempli de voyageurs. Afka a dit que personne n'entraîne ni ne sortait. J'aime pas ça. Où sont les Roekar? Il y avait des arrivées régulières jusqu'à la semaine dernière. La plupart des Angara viennent ici au moins une fois dans leur vie. Que ce soit par tradition, ou pour transmettre des connaissances. Pour quelle raison vous êtes venu, vous? Un peu des deux. Allez. On continue à chercher Baranj et les autres. Il y a du courant, mais tout reste hors ligne. Est-ce que je rétablis les transmissions? Laissez tomber pour le moment. Ça pourrait alerter les Roekar, où qu'ils se trouvent. Qu'est-ce que la forge a de si important? Où qu'ils soient partis, les Angara ont laissé beaucoup d'affaires derrière eux. Ils sont bien ravitaillés. Ça vient des Roekar? Aya et la Résistance apportent leur soutien. Si les Kert détruisaient la forge, ce serait un coup terrible. J'ai trouvé quelque chose. On dirait un journal. Tout le monde adore Axul. On croirait que c'est la Moshae. J'ai dit à Droka de le faire partir, mais elle a répondu que tous les Angara sont les bienvenus à la forge. Surtout ceux qui essaient de protéger notre culture. La protection, c'est ça qu'il a promis. Cet endroit a été saccagé. Ils sont partis rapidement. Où? Ils ont été jetés dehors. De la pâte nutritive, à moitié mangée. On ne pourra pas la dater. Ce truc reste frais pendant des années. Certaines ont été prêtées par les archives de l'histoire. Avela et les chercheurs s'échangent souvent des artefacts.
Gardez la tête haute. C'est pas en regardant par terre que vous trouverez votre famille. Je ne vous ai pas demandé conseil. Aksul nous a fait sortir du labo aujourd'hui. Il nous a parlé de la menace de la Voie lactée. Shiva le traite de radical, mais il ne fait que dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Une nouvelle recrue en puissance. Elles sont desséchées. Ça fait un moment que personne ne les a arrosées. Elles viennent de la forge. Elles y auraient été bien soignées. C'est du bon matériel. Qu'est-ce que les chercheurs étudiaient ? Tout, à vrai dire. Les Angara révèrent la forge. Mais on en sait très peu à son sujet. Un des Roekar a laissé une tranche d'Elmok frais à mon poste. J'ai voulu le remercier, mais il a refusé de m'adresser la parole. Je crois qu'on leur a donné l'ordre de pas être aimable avec nous. Mon frère Lassoul adore l'Elmok. C'est son fruit préféré. Vous pensez que c'est lui qui en a donné à cette chercheuse ? C'est possible. Mais le reste ne lui ressemble pas. Lassoul est très bavard. Ne vous laissez pas abuser par vos gentillesses. Les alliés... Vous entendez ? J'ai entendu ça. Ils ont tiré en premier. Il fallait bien qu'on se défende. Tout le monde est là. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'il les rassemblait ? Pour la discrétion, on repassera. La discrétion, c'est surfait. La reddition n'est pas au programme pour les Roekar. Abattez-les ! Tuez-les ! Livrez leur corps à Aksul ! Amenez-vous ! Ne leur laissez pas d'ouverture ! La voie est libre. Aucun signe de votre famille ? Non. Les Roekar savent qu'on est ici. Ça les fera peut-être sortir. Ça fait aussi partie du Govatahan, ça ?
ce sont les quartiers d'habitation des archéologues. Mais visiblement, les Roekar ont... Oh ! Comment on éteint ce truc ? Connaissant Axul, on ne doit pas pouvoir. C'est verrouillé. Sam, une proposition ? Je détecte un câblage électrique souterrain, pionnière. Le scanner vous permettra de suivre les câbles. Je sais que c'est difficile, mes frères, mes sœurs. Nous sommes de nature altruiste. Mais si nous faisons la moindre... Il nous est vraiment. Les Kert nous ont insufflé la peur de l'inconnu. Votre arrivée va changer beaucoup de choses pour les Angara. C'est de ça qu'Axul a peur. Voilà, ça devrait déverrouiller les portes. Certains demandent si ces nouveaux alliés peuvent être installés face au Kert. C'est possible. Après ces portes, il y a une passerelle qui mène aux ruines. Ma famille devrait s'y trouver. Que les Roekar ne voulaient pas qu'on passe par là. Comment on fait pour les rejoindre maintenant ? Il va falloir descendre en sautant. Nous savons nous adapter. Nous avons appris à vivre sous tous les climats, dans tous les environnements. Oubliez ça tout de suite, gamine. On peut pas sauter. Passez par les rochers. Elle se servira de nous jusqu'à ce qu'elle devienne forte. Une fois nos ressources épuisées, elle frappera. Et maintenant ? On monte la colline. On a de la compagnie ! Des tireurs d'élite ! Restez à couvert ! Axul a dû envoyer des renforts. Abattez-les ! Ils ne doivent pas atteindre le nid ! Ils nous tirent comme des pitchaks ! Allez vers les hauteurs ! Par cette saillie. Des intrus ont atteint le nid. J'en compte trois. Attendez ! Je reconnais ces voix. La Soul, va chercher les renforts. La Soul ! Non ! Attends ! C'est Jal. Jal, c'est toi ? Baranj, ce sont nos mères qui m'envoient. Toutes nos mères ? Et elles ont envoyé cette humaine aussi ?
Je m'appelle Ryder, je suis une pionnière de l'initiative. Je devrais vous tuer sur le champ. Tevint, s'il te plaît. Pourquoi elles t'ont envoyé? Les Kert nous ont déjà pris bien assez. Elles ne veulent pas vous perdre aussi pour cette cause insensée. Mais, Jal... J'aimerais vous présenter mon ami, pour vous montrer qu'Aksul se trompe. Faites-moi confiance. On a autant à vous donner que vous à nous donner. On y gagnera tous. On s'en fout. Les Angara ne veulent pas de votre aide. On n'a pas besoin de vous. Jal, nos mères veulent qu'on vive avec honnêteté. C'est parce que j'aime ma mère que je suis prêt à mourir pour cette cause. Est sur le point de tout faire sauter. La Soul. C'est pour ça qu'il a fait partir les chercheurs. Arrête. Il a des bombes. Ferme-la. Dérobées à votre peuple. Si ces bombes explosent, tout accusera l'initiative. On doit les désamorcer. Je vous y amène. Non, 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 non. Les bombes. Dans la forge. Ça va, Jal. Je m'en tirerai. Vous tiendrez le coup? Je déteste Aksul. Ne le laissez pas gagner. Ne vous en faites pas. Content que vous soyez là. Bomba. Si Aksul est prêt à faire exploser la forge, il ne reculera devant rien. Ryder, si on tombe sur lui... Je sais, je vous laisse faire. Je l'ai tué. Je suis désolée. Il va bien. Tu as de la chance. Je perds la tête, Jal. Ramène-moi chez nous. Et notre cause? Je l'ai rejointe pour toi. J'ai blessé notre frère. Ne me laisse pas. Qu'elle s'en aille. Je ne veux que des soldats qui sont dévoués à notre cause. Pas des lâches qui restent là à regarder les nôtres se faire massacrer par ces sales aliens. Vous enrôlez des gosses et déchirez leurs familles. Écœurant. Tout comme vous. Je parle au nom de mon peuple. Vous n'avez pas votre place ici. Ryder, non! Allez-y, faites de moi un martyr. J'ai promis à mon ami de ne pas le faire, mais ça me démange pas mal. Ils s'installent sur nos planètes. Ils prennent nos ressources,
nous affaiblissent. J'ai vu Ryder rendre des planètes habitables. Tout à fait. Ils nous le rappelleront constamment. Sauver votre cher Moshae. Je sais. Sauver sa vie. Je sais. Arrête de les défendre. Elle fait confiance à Ryder. Assez. Et... peut-être qu'on s'est trompé d'ennemi. Notre ennemi, c'est plutôt ce sale traître. Tout doux. Jal? Non. La Moshae se fie à Ryder. Tu es devenu dangereux pour ton propre peuple. Laisse tomber. Ou je te tue et je révèle toutes les traîtrises de la Résistance. Non! Non! Il faut que ça cesse. On doit rester soudés contre les Kertes. Je vous en prie. S'il vous plaît. Jal, tu as sauvé la Forge. C'est merveilleux. Allez. On rentre chez nous. Je m'en veux tellement, Lassoul. Je n'ai jamais... même pas capable de me tuer d'aussi près. Les voilà. Laissons-les une minute. La mort d'Axul va renforcer la cause des Roikar. Ryder, il faut que je sache. Pourquoi vous ne m'avez pas fait confiance? Je ne pouvais pas prendre le risque de vous perdre. Je vous ai mis en mauvaise posture. Pardon. Je ferai mieux d'y retourner. Je veux dire au revoir à ma famille, avant qu'elle reparte. J'ai comparé mes... les rapports ne faisaient pas honneur à cette planète. Elle est... sublime. Madame la directrice, on n'a pas établi d'avant-poste complet. J'imagine que ça vous inquiète. Honnêtement, je suis surtout impressionnée que vous n'ayez pas fini couverte de lianes en atterrissant. Étant donné l'importance de ce monde pour les Angara, il est bienvenu de les aider, mais pas d'établir un avant-poste. Et la stabilité que vous avez apportée, j'ai reçu les remerciements d'Aya. C'est du jamais vu depuis notre arrivée dans Andromède. Après les Kertes et ce qu'ils ont vu des exilés, il faut qu'on donne une bonne image. Ce que nous avons eu de la peine à faire. Grâce à la pionnière, les choses changent. Il s'agissait du dernier pionnière. Le dernier soi-disant monde en or que nous pensions irrécupérable. Vous avez réussi. C'est prometteur. Beaucoup de gens sont impressionnés. J'ai toujours besoin que vous vous fassiez entendre, pour que les drapeaux des avant-postes ne soient pas le seul symbole qu'ils connaissent. On est encore là. Le travail qu'on fait est important. Alors dites-leur. Nous sommes arrivés ici en tant qu'explorateurs, mais Eleus était déjà habité. Découverte est devenue synonyme de rencontre. Sur Avarl, nous pouvons travailler ensemble. Le premier contact n'est pas terminé. Il se passe ici, avec nous. Voilà qui restera dans les mémoires, pionnière. Terminé. Les analyses typologiques seules ne nous apprennent rien d'utile. Notre gamme d'échantillons est trop réduite. Pionnière Ryder, docteur Tassana Rilar, xénobotaniste de l'Initiative. Et voici mon collègue, le docteur Eric Baumgarten. Je suis xénogénéticien, ravi de vous rencontrer. Je comprends ce que vous faites sur Avarl. Vous avez de quoi vous occuper? En effet, on peut à peine faire un pas sans tomber sur une nouvelle forme de vie. Du coup, on marche doucement.
Votre rapport sur l'évolution accélérée et la croissance rapide de la nature a suscité notre intérêt. On analyse tout ce qu'on peut pour tenter d'apprendre comment reproduire cet effet sur nos propres cultures. Les applications pourraient être intéressantes s'il existe un moyen de contrôler le processus. Ah, vous avez compris le but final. Si on apprend à améliorer la croissance des plantes et des animaux de manière non destructrice, on ne connaîtra plus la fin. Ça changerait tout pour l'initiative. Nos colonies pourraient prospérer pratiquement du jour au lendemain. Depuis que vous avez réparé le caveau, les choses reviennent à la normale, mais trop rapidement pour nous. Les formes de vie accélérées que vous voulez étudier meurent. Elles se décomposent. On se dépêche de tout analyser et répertorier avant qu'il n'en reste rien. On aurait besoin d'aide. Indiquez-moi les formes de vie qui vous intéressent. Je m'occupe du reste. Tout ce qui a muté au-delà de son cycle de croissance de base nous aidera dans notre travail. Je vous fournirai les marqueurs génétiques les plus prometteurs à scanner. Merci d'avance pour l'aide que vous nous apporterez, pionnière. Revenez ici quand vous aurez terminé. Pionnière, les formes de vie de cette zone présentent des marqueurs de croissance accélérée. Parti. Les Angara ne transportaient pas que des armes. Ils avaient du matériel de recherche, des datapads. Il faut savoir pourquoi. Les Roekar étudiaient les mutations de la nature eux aussi. Ils veulent s'en servir contre nous. Le datapad parle d'un camp. Mise à jour des données connues. Changement des paramètres de la mission. Sam, qu'est-ce que tu peux en tirer ? Analyse en cours. Les Roekar s'intéressaient particulièrement aux mutations capables d'empoisonner un environnement naturel. Ils n'utiliseraient pas ça sur la planète. Quelles sont vos instructions concernant ces données, pionnière ? Télécharge une copie et efface l'ordinateur des Roekar. Compris. Copie terminée. Suppression des fichiers des Roekar terminée. Allez, on termine ça et on retourne voir les chercheurs. Ah !
Qu'est-ce que vous nous apportez, pionnière ? Des Roykars me sont tombés dessus. Ils étudiaient des mutations dangereuses, dans l'espoir de s'en servir contre nous. J'espère que vous avez mis un terme à leurs travaux. Vous avez l'ordonné ? Est-ce qu'on peut les voir ? J'ai copié les fichiers avant d'effacer l'ordinateur des Roykars. Je vais tout vous transmettre. Ça pourrait au moins nous servir à nous défendre contre de futures attaques. J'ai scanné toutes les formes de vie mutantes que j'ai pu trouver. J'espère que ça vous aidera dans vos recherches. On va avoir de quoi s'occuper, pas vrai ? Merci pour tout, pionnière. On va se mettre au travail. Un nouvel email vous attend sur votre terminal, pionnière. Ryder, je peux emprunter votre accès à la salle de recherche. Pourquoi faire ? Bon, rien d'important. Je voulais juste faire quelques recherches pour occuper mon temps libre. Oh, vous voulez m'aider ? Je ferai ce que je peux. Souvi, vous pouvez prendre la barre un moment. C'est une étape préliminaire, mais toutes les données qu'on a rassemblées sur le fléau devraient être utiles. C'est notre propulseur ? Je veux étudier de nouveaux systèmes. Des capteurs, des boucliers, des défenses par IEM pour aider tous les vaisseaux à lutter contre le fléau. Je me sers des vieux plans de Lucille comme référence. Je peux les lire de mémoire, mais j'apprécierais beaucoup votre aide à Sam et à vous. Les vaisseaux ne sont pas ma spécialité, mais je devrais pouvoir vous donner un coup de main avec Sam. Enfin, si vous cherchez quelqu'un qui s'y connaît vraiment, il y a toujours... Gil, je sais. On ne s'est pratiquement pas adressé la parole dernièrement. Je pensais que ça valait mieux. Pourtant, les modifications de Gil m'ont fait réfléchir. C'est marrant, la plupart des Galariens adorent tout ce qui a trait à l'innovation. Entre ces idées et votre connaissance des spécifications techniques, vous formeriez une équipe de choc. Foncez ! On oublie que notre technologie n'est pas apparue toute seule. Quelqu'un l'a inventée. Quelqu'un y a mis du cœur. C'est important, mais c'est aussi important d'inventer de nouvelles choses à respecter, de nouveaux souvenirs. Je vais demander à Gil, alors. Ah, vous avez des conseils à me donner ? Un peu d'honnêteté et d'humilité vous mèneront loin. Gil, est-ce que vous pourriez m'accorder une minute ? Quoi encore ? Votre précieux vaisseau fonctionne exactement comme vous le vouliez. J'étudie de nouveaux systèmes pour affronter le fléau et... j'aurais besoin de votre avis d'expert, s'il vous plaît. Vous restez attaché à la vieille école ? Pas nécessairement. Ça sert à rien de réinventer la roue. Mais il vous faudrait de meilleurs propulseurs secondaires. Regardez. Salut, gamine ! Et cette bagarre au bar à Kadara, est-ce que c'était un rancard ? Non, si c'était un rancard, il y aurait eu moins de public et plus de meubles cassés. Alors, vous êtes content que Spender ne soit plus dans les parages ? Et pas qu'un peu. Qui sait, peut-être que ses gardiens vont oublier de lui donner à manger, hein ? Ça vous brise les cœurs, hein ? Oh, le cœur ! M'en reste plus qu'un. On reparlera plus tard. Ça marche. Jal ! Jal ! Attends, est-ce qu'il y a un problème ? Non, la pionnière voulait voir l'endroit où j'ai grandi. Ryder, voici ma vraie mère. Sauna Amadarav. Enchantée de vous rencontrer. Je sais que les Angaras sont très tactiles. Jal m'a dit combien il vous admirait. C'est vrai ? C'est mon préféré. Malin, loyal, gentil, tireur né, poète, couturier même. Maman. J'ai une réunion de la Résistance. Fais attention. Votre mère est dans la Résistance ? Oui. Et elle n'a que des préférés. J'aimerais vous présenter Ryder. Salut.
Regardez un peu qui voilà. Content de te revoir. C'est ici que j'ai passé presque toute mon enfance. Moi, ma sœur Koana, notre cousine Eta, notre frère Finn, puis Bafsil, Rolu. Quel bonheur. Salut, de Jal. Te revoir. Salut, Jal. Tu nous amènes quelqu'un de spécial pour toi. Ça en fait du monde. On adore cette ambiance. Tu vas faire goûter de la vraie nourriture à ton ami. Ça fait plaisir. Et voilà ma chambre. Mon petit sanctuaire. Les humains disent, la maison, c'est là où on se sent bien. C'est bien vu. Oh, non. Qui a laissé ça? Un schéma de... Quand j'avais 7 ans, ma tante m'a donné une arme Kert. Je l'ai démontée pour apprendre. Et c'était un Karkin? Un Karkin apprivoisé. Alfit. Je l'ai disséqué quand il est mort. Pour apprendre? Pourquoi pas? Personne n'a jamais vu tout ça. Mon cœur chante pour vous. J'aimerais qu'on soit ensemble. Ouais, moi aussi. Oui. Je vous adore. Je veux vous montrer encore quelque chose. Allongez-vous. Ok, d'accord. Magnifique. C'est de vous? Ça date. Ce n'est pas très précis. Plus un rêve qu'autre chose. Encore une chose que j'aimerais démonter pour comprendre. Ah, Jal. Et maintenant, on peut le faire ensemble. Ma mère va vous adorer. Désolée.